Donc, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la grue à chenilles Lego City. Bon, je sais, ça va être de moins bonne qualité, c'est parce que je suis obligé de faire par webcam, puisque ce portable est nul. Oui. À chaque fois que je fais une vidéo, ça s'efface. Donc, on voit un peu quoi. En plus, il y a presque plus de vidéos, la mémoire est bonne, il y en a encore assez, et je trouve pas bon. Donc, c'est un nul téléphone. Donc, je vais faire par webcam, donc je vais avoir une voix bizarre, c'est normal. Je suis désolée, hein, mais bon, pour mes abonnés, j'espère que vous allez voir quand même. Mais bon, allez, commençons la présentation par les bonhommes. Par contre, les bonhommes, ils seront de meilleure qualité. Bon, bouge plutôt. Bon, ça va peut-être un peu bugger parce que ma webcam est un peu bizarre. Donc, ça va faire du tostion. Donc, alors, déjà, nous allons présenter ce personnage. Donc, l'orange, je vais le prendre. Le voilà. Il est beau, hein. C'est un bonhomme qui fait des travaux. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième bonhomme. Donc, je suis désolée pour cette voix bizarre, mais bon. Le voilà, le deuxième. Il est beau, hein. On dirait un petit vieux. Oh. Voilà. Bon, derrière, c'est bleu et gris. Donc, voilà pour les personnages. Donc, et bah maintenant, comme il n'y a que la grue à chenille dedans, et bah, je vais vous la présenter. Non, je rigole. Bon alors, cette grue à chenille, qu'est-ce que je vais commencer? Eh ben les gens, on va enlever ce mur qui est attaché à la grue. Voilà le mur que vous avez dans la grue. Donc il y a une porte ici. Voilà. Et une fenêtre. Et qu'est-ce qu'il tient? Et comment ça se tient le mur avec la grue? Eh ben c'est simple, vous avez... une chaîne qui bouge plus, une chaîne Lego, et oui, comme ça au moins vous pouvez faire tenir ce petit mur là avec ça, la chaîne. Donc voilà. Ensuite, et ben je vais vous présenter la grue. Donc déjà, c'était une grue à chenille, vous pouvez remarquer que les roues ne sont pas pareilles. Ils sont comme ça. En chenille. Donc, je vais vous montrer la boîte qui est juste à côté de moi pour vous montrer mieux. Alors, quelle image prendre? Regardez ici. Là, ici. Et là. Voilà. Ici. Vous voyez que c'est des roues pas normales. C'est pas des vraies roues. C'est des chenilles en fait. Bon, normalement, ça s'appelait comme ça. Au début, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais c'est quand j'ai vu certaines vidéos de grue, que j'ai vu grue à chenille, et donc j'ai su que ça s'appelait comme ça. Et ouais. Donc, eh ben, maintenant, je vais vous présenter la grue en elle-même. Donc, alors, je vais abaisser pour que vous montrez. Donc, alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Et ben c'est ça. Donc alors, ici, vous avez des petites portes. Voilà, qui s'ouvrent. Et vous pouvez mettre du matériel dedans. Mais pas de bonhomme, ça rentre pas. Donc, par exemple, vous pouvez mettre cette chaîne, par exemple. Si vous n'en avez pas besoin, regardez. Vous avez la chaîne, là, ici. Bon, elle bouge, hein. C'est ce que vous avez boulé. Vous la mettez dedans. Voilà. C'est tout simple que ça, vous mettez ça dedans. Oups, pardon. En fait, ça a bugué, c'est parce que je suis désolé. Hein. Ça va tourner en du c'est pas grave. Ah oui, en fait, en parlant de tourner, eh ben vous pouvez remarquer qu'en fait la grue tourne. Donc je vais doucement parce que bon, sinon ça va bugger. Donc ça tourne, mais ça tourne à 360 degrés. Et oui, vous voyez que ça revient ici. Donc, voilà. Pour ceci.
Donc, là, ça tourne à 360 degrés. Et ici, vous avez des petites placards pour mettre des choses là. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Eh bien, c'est simple, puisque c'est bien parce que de votre côté, vous avez ici, là que vous voyez ici, le poste de pilotage du truc. Et donc, vous pouvez le voir. Je vais vous le montrer comme ça. Vous attendez, acier, béton. En même temps, une webcam, c'est fait pour parler normalement, c'est pas fait pour présenter des Lego. Mais bon, c'est parce que j'ai eu un problème. Ça devrait s'arranger à la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, je vais vous mettre le bonhomme, s'il veut bien apparaître. Oui, il est là. Et donc, il se met ici. Ouais, ce bonhomme-là. Et là, vous le rentrez là, ici. Comme ceci. Oh, c'est pas possible, hein. Une pub. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Donc là, vous mettez le bonhomme. Et vous refermez. Oh, mais c'est pas possible. Il s'est encore cassé. À la dernière vidéo, il s'est cassé. Non, c'est pas possible, ça. Oh, mais c'est pas possible. Je suis énervé. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Attendez, je le répare, parce qu'il va m'énerver celui-là. Voilà. C'est bon. Et donc, c'est ici le poste de pilotage. Je vais reculer si vous voyez pas. Voilà, vous voyez mieux là comme ça. Et donc, vous soulevez et vous pouvez mettre le bonhomme dedans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Eh bien, je vais vous montrer ici la manivelle. Regardez, vous voyez ceci là? Ceci là. Eh bien, si vous le tournez, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais la tourner et vous, je vais vous mettre du côté où il y a le fil. Oh, vous m'avez vu trop grave. Voilà, donc vous voyez le fil là. Bon, ça va bugger, ça va faire dit. Et donc, je vais le faire descendre ou le faire monter. Regardez, vous allez voir qu'il va disparaître. Même si ça fait dit, ça va disparaître. Et là, je vais le remonter. Descendre. Monter. Monter, monter, monter. Descendre, 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 descendre. Faut pas descendre très bas avec ça. Monter, 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 monter. Bon, allez, c'est bon. Hein. Je vais pas monter pendant 3 heures. Donc, je le remonte jusqu'en haut. Voilà. Oh non! C'est comme Mario, c'est parce qu'il y a un truc qui s'est encore cassé. C'est ça, les vieux Lego, les Lego de 2009, ils font toujours ça. C'est embêtant à force. Les Lego de 2009, ils font toujours ça. Toujours! Que ce soit tous les canons de travaux, ils se cassent. Ils ne peuvent pas le faire mieux. Mais bon, c'est pas grave. Bon alors! Bah, je sais pas quoi faire. Alors, ben, je vous ai pas tout présenté, ça c'est sûr. Donc, ben, on va rabaisser. Okay, bon, là, vous voyez. Ah non, c'est pas possible. Non, non, pas ça. S'il vous plaît, ça casse pas. Ouf, il est réparable. Allez, on va retourner ici. Vous me voyez plus, c'est bête. Hein. Donc, alors, vous avez vu le truc qui descend avec grâce à cette manivelle que vous pouvez voir ici. Donc, maintenant, vous pourrez. Bien sûr, elle ne garde pas que cette hauteur, vous pouvez la faire descendre comme ceci. Et bien c'est simple, en fait je vous explique. Donc, l'ordinateur. Alors, ici, vous avez ceci là. Un gros truc là. Qui, regardez, suivez ma main. Ici là. 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 Ici, vous voyez qu'il y a un truc qui ne sert à rien. Et bien si vous tirez dessus quand vous le fabriquez. Vous pouvez remarquer que la grue descend. Et si vous vous appuyez dessus quand il est en haut, là vous pouvez remarquer quoi? Qu'il monte. Et ben ça, c'est logique. Parce que si on appuie quand il est en haut, ben il va descendre. Et si on fait comme ça, là, il va forcément descendre. Donc voilà. Oh là là, non, le truc que je voulais pas qu'il se casse, il se casse pas la vidéo, c'est pas possible ça. Ah, bon, c'est pas grave, ça se répare assez vite, mais bon.
Alors attendez, hein. Je répare, c'est parce que là, je peux même pas faire pause, c'est ça qu'en fait qui est embêtant. Oh, et puis ces pubs là, je perds du temps. Oh, je suis énervé. Donc alors, je vais le remettre. Hein. C'est le truc derrière. Donc en fait, j'ai pas besoin. Tout à l'heure, j'essayais de le remonter au max, mais en fait, il fallait le descendre. Pas forcément. Non, mais en fait, c'est rien. C'est parce que moi, je parle bizarrement. Voilà. C'est Google. Ah oui, c'est le truc derrière. Là. Je vais le remettre. Ça se remet facile. Mais vous inquiétez pas, ça se remet facile. Allez, remets-toi. Non, mais non, il s'est enlevé quand j'ai remis. C'est pas possible. Ah, désolé pendant la vidéo, hein, mais c'est vraiment nul les trucs de 2009. Ils se cassent tout le temps dès qu'on le touche. Ça va. Hein. C'est rare que je m'énerve sur un Lego, mais ça va. Alors, c'est un peu. Ils pourraient faire mieux quand même. En 2009, c'est vrai que. Non, mais en fait, la grue, elle vient de 2009. Bon, voilà, je répare, je vais faire un truc. C'est. Je vais vous parler des abonnés. Donc, alors. Je voudrais que vous. Je vous conseille de regarder les vidéos de Dylan Petit et de Lala Toro. Donc, Lala Toro, je sais pas si elle a des vidéos. Mais en tout cas, je vous conseille de vous abonner à ces deux chaînes que je viens de vous dire. Parce qu'ils sont vraiment bien. Et Lala Toro, elle est vraiment gentille. Et Dylan Petit aussi. Et je voudrais dire un mot à Dylan Petit, c'est que je le remercie pour qu'il m'a donné un lien pour motoriser le tramway. Car maintenant, j'arrive à faire. C'est gentil. Merci. J'aime bien Dylan Petit. Ben oui, je remercie mes abonnés quand ils m'ont aidé. C'est logique. Hein. Non. Bon, voilà, je l'ai réparé. Il y a plein de terre à tomber, sinon ça va aller mal. Je vais le taper. Donc, voilà. Donc, je vous ai parlé de mes abonnés pendant ce temps. Ça m'a pas fait perdre du temps. Et donc, aussi, avant de recommencer, c'est que je voudrais vous dire que maintenant, dans certaines vidéos, je vais faire des quiz comme ça, des petites questions. Et moi, j'aimerais bien que vous répondiez, parce que j'aime bien. Mais bien sûr, il y a des trucs à gagner. Pas des Lego. Hein. Mais par exemple, que je vous parle de vous dans une de mes vidéos. Ou que je vous conseille de regarder les vidéos de vous. Et si jamais quelqu'un dit que c'est nul votre vidéo, alors que vous avez trouvé le quiz et que vous aimez bien les vidéos, vous allez voir, je vais vous défendre. Ne vous inquiétez pas. Alors, sauf si c'est un de mes abonnés. Je vais pas le traiter si c'est un de mes abonnés. Bon, voilà pour ça. Donc alors, on va tout de suite faire le quiz. Donc alors, tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit que je vous ai dit quelque chose. Et donc, il faudra le retenir pour répondre à cette question. Alors, question. Qu'est-ce que l'on peut mettre dedans? Réponse 1, du matériel. Réponse 2. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, réponse 1, du matériel. Réponse 2, une bouteille d'eau. Donc, sur un commentaire, dites 1 ou 2. Donc, 1, c'est du matériel et 2, c'est bouteille. Donc, donnez-moi la réponse. Je vous invite à jouer à ce quiz. Et si vous avez envie que je vous parle de vous dans une de mes vidéos en faisant une pub, eh ben vous me le dites et je vous le ferai. Si vous avez bon à la question. Si vous avez vrai faux, je vous le ferai pas. Mais bon. Vous saurez. Bien sûr, la bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau comme ça. Ah, hein. Oh, mais c'est pas possible, on s'en fiche de ces pubs. C'est une bouteille d'eau comme ça. Hein. C'est parce qu'en fait, vous le voyez pas. Vous voyez la vidéo, mais en fait, pendant ce temps, je vois des pubs. Alors, c'est embêtant. Qu'est-ce que cela m'énerve. Donc, voilà pour la question. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter sur la go. Je crois que c'est tout. Je crois que je vais tout montrer. Ah oui, vous pouvez juste, quand vous tenez la grue comme ça, regardez. Rien. Yeah. Mais non. Alors, regardez, si vous la prenez, en arrière, vous pouvez la monter. Bon, elle tient pas, mais bon. Donc, voilà. Donc, eh ben, j'espère que je vous ai tout présenté.
Donc voilà, je suis désolé que ce soit une vidéo par webcam, mais j'avais pas d'autre choix. Et puis c'est le seul jour de la semaine où je peux les faire les vidéos, après je peux plus les faire. Demandez-moi pas pourquoi, parce que c'est ma vie privée quand même. Bon, en fait, ma vie privée, c'est je joue Lego, soit la Wii, soit des choses. Voilà, donc en fait, moi je m'amuse, je fais que m'amuser et faire mes devoirs, bien sûr. Donc voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si ce ne sera peut-être pas de très bonne qualité. Et j'espère que vous allez bien répondre à la question du quiz. Donc je vous répète la question. Qu'est-ce que l'on peut mettre dedans? 1. Du matériel. 2. Une bouteille d'eau. Et vous le mettez dans un commentaire soit 1, soit 2. Et si jamais vous avez bon, et ben je vous parlerai de vous dans un commentaire. Si vous avez envie que je parle de vous, que je fasse une pub pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai dit, ça fait la troisième fois que je le dis, je crois. Et donc voilà. C'est une vidéo par webcam, c'est la deuxième. Et donc au revoir tout le monde et à la prochaine.